Bonsoir à tous et bonne année pour commencer. Voyons voir qui est présent. N'hésitez pas à vous annoncer parce que je n'ai pas accès pour le moment à vos noms. Là, nous commençons le premier live de l'année 2021. J'ai quelques nouvelles à annoncer concernant le devenir de ces lives que nous tenons maintenant depuis, je pense, une dizaine de semaines, si ce n'est pas plus. Donc on va en parler tranquillement sur comment en tirer le meilleur aussi bien pour vous que pour nous, ou pour moi plutôt. Donc bienvenue à vous. Alors, voyons voir qui est présent. Alors, donc là, on a vu ce qui s'est passé hier aux États-Unis, donc on va en parler aussi. On va parler aussi de la fin de l'année 2020, des différentes prises de position me concernant, les podcasts qui ont été publiés en français et en anglais. Comme vous le savez, j'anime deux podcasts, le français, enfin, en langue française qui s'appelle Les idées libres. Et en anglais, qui s'appelle le breakdown. On va parler aussi de ce que le CJL a fait, une rétrospective de l'année 2020, donc qu'on avait déjà faite auparavant, mais qui va annoncer aussi ce qu'on va faire en 2021. Et bien entendu, pour celles et ceux qui ont pu regarder le descriptif de la vidéo, comment préparer 2022. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la question de l'islamophobie est certes primordiale, mais ce n'est pas la seule. On voit le virage autoritaire du gouvernement qui ne recule devant rien. On a vu les débats à l'Assemblée nationale. On a publié sur le CJL l'audition du défenseur des droits qui remplace Jacques Toubon. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions pour qu'on puisse aller de l'avant, parce que vraiment là l'objectif c'est qu'on puisse nous projeter sur l'année 2021 avec comme optique, en tout cas comme horizon immédiat, 2022 et les élections législatives et présidentielles. Donc, comme vous le savez, le camp Macron table sur un choix naturel qui sera de réélire Emmanuel Macron. Le but, c'est de construire cette campagne autour d'une opposition Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, et bien entendu de nous refaire le coup de 2017, à savoir voter pour le moindre mal. On voit aussi qu'à gauche, Anne Hidalgo est en train de jouer la confusion. Donc en termes de droits et libertés, c'est pas comme si Anne Hidalgo était en position de donner l'exemple. Donc nous allons parler de tout cela. On s'arrêtera aux alentours de... Moi, je m'en rentrerai, je pense, aux alentours de 19h50. Et ensuite, on passera aux questions-réponses et aux échanges. Donc, n'hésitez pas à vous annoncer, s'il vous plaît. Je ne vois pas pour l'instant qui est présent. Alors, qui est présent parmi nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section qui est réservée. Alors, on a Mama Ben. Bonsoir, Mama Ben, qui vient de me demander pas de live sur Instagram. Bon, on va s'y coller. Alors, live Instagram. Oups. Alors, vidéo, pardon, oups, non, c'est pas comme ça. Alors, puisque Mama Ben le demande, bienvenue à Hichem Sahraoui. Alors,
Je vais juste lancer le live Instagram, voilà, en direct. De rien, Mama Ben. Alors, donc on a les premiers arrivants, seront les premiers servis, comme toujours. Alors, Ratiba Medas, bienvenue à toi. Welcome back. Ah, commence bien, Ratiba Medas. Allons-y, mollo. Oui, c'est vrai que Anne Hidalgo s'est fait un nom pour ne pas nécessairement être du côté des opprimés et, la veuve, et de la veuve et l'orphelin. On voit bien qu'elle est en train de jouer la confusion à gauche pour essayer de se positionner comme le candidat naturel aux élections présidentielles et qu'elle soit la seule candidate possible de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé qu'il préparait ou qu'il se présentait. Ou qui se présenterait aux élections présidentielles. Ouais, sauf que Jean-Luc Mélenchon va plus faire l'unanimité contre lui que l'unanimité avec lui. Pardon. Alors, si vous avez des thématiques à proposer entre-temps, allez-y, n'hésitez pas. Alors, ah oui, c'est mon VPN qui est activé, c'est pour ça que Instagram ne veut pas se lancer. Alors, je vais déconnecter, on recommence. Alors, on va commencer par l'actualité du CJL. Alors, j'aimerais juste que les personnes sur Facebook. S'il vous plaît, Mama Ben, si vous pouviez transmettre le mot sur Instagram. Que les personnes puissent savoir. Ali Kabouri, oh, salut les jeunes, bienvenue Ali Kabouri. Alors, on a Koso 8181 qui nous a rejoint, qui est déjà avec nous. Et si je peux demander Mamika Dubaï qui est là, bienvenue à elle. Moha SNTZ, bienvenue à lui. Alors, j'ai quelques annonces à faire concernant les lives. Et leur devenir. Bienvenue à Tahira 160 sur Instagram. Alors, comme je le disais en introduction du live, 2021 sera une année charnière parce qu'on est entre l'année 2020, l'année de tous les malheurs, quasiment pour nous, en tout cas notre génération, la pandémie, la crise économique et le virage répressif du gouvernement. Ah, Mama Ben, je me souviens. Bienvenue à Kamrul Hussein 999. Moha Rindaman Sunsu. Hola, bienvenue. Bon, avant que je commence à développer, on va attendre que tout le monde se réunisse. Donc, le temps que tout le monde arrive, s'il vous plaît, pensez à garder vos. Comment dire ça? À proposer les thématiques que vous aimeriez qu'on couvre. N'oubliez pas que le live, bon, on a commencé un petit peu en retard, on s'arrêtera à 20h20 pour être dans les temps. Donc c'est 1 heure par semaine. Bon, c'est vrai qu'on a quand même fait des lives qui ont duré, le dernier a quand même duré 2h30, ce qui est pas mal. Mais là, on va tenir les délais, voilà, pour ne pas qu'on se retrouve, comment dire ça, à empiéter sur le temps des gens. Alors, Majid Nani, bienvenue à lui. Bienvenue à Polyéthique. Bienvenue à Atienne. Sur Instagram. Allez, envoyez-moi tout ça là. Donc, Ratiba a lancé la thématique Anne Hidalgo et sioniste. C'est possible. De toute façon, ses positions sur la question palestinienne, on les connaît. En organisant Tel Aviv plage à Paris, en interdisant au soutien de la résistance palestinienne de pouvoir être présent, de manifester et de pouvoir exprimer leur opposition. Le fait qu'elle a travaillé avec des groupuscules de la fachosphère et que même le CJL, comme si vous vous en souvenez, avait enquêté sur la fachosphère au sein de la mairie de Paris et comment ce que des militants d'extrême droite. Ouais,
D'accord, Mama Ben. On a eu une enquête du CGL qui a été publiée l'année dernière concernant la fachosphère qui était plutôt en position confortable au sein de la mairie de Paris. Et la personne qu'on avait exposée, c'était le responsable des promotions et des carrières du personnel, un personnel qui est en grande partie composé par des personnes qui sont noires, arabes, en tout cas issues de l'immigration postcoloniale. Et donc, quand on a quelqu'un qui ne cache pas ses idées racistes, je ne vais pas le nommer ici pour ne pas lui faire de publicité, cette personne-là a été protégée par Anne Hidalgo. Il a obtenu la protection fonctionnelle alors que la personne qui avait subi son harcèlement, elle, a été licenciée. Et en retour, cette protection fonctionnelle sert à nous harceler en justice pour nous empêcher de faire notre travail. Alors, est-ce qu'on peut commencer ou pas? Alors, on a une première thématique de Mama Ben. Yasser, une thématique, la position du Conseil d'État qui, pour ma part, est incompréhensible concernant la collecte de données personnelles. En fait, Mama Ben, c'est encore pire que ça. Je vais ressortir le papier qu'on a relayé sur la page du CJL. Ne quittez pas. Alors, c'est une décision qui va permettre, en fait, l'État, le gouvernement actuel, a fait passer une mesure qui permet à l'État de ficher tous les militants politiques et tous les militants en fonction de leurs opinions. Et alors, puisque je retrouve le papier, voilà. Donc, Mama Ben fait référence à un papier qui est titré Le Conseil d'État valide l'élargissement des fichiers de renseignement. L'élargissement de ces fichiers permis par trois décrets publiés en toute discrétion, c'est quand même important. Vous avez quand même trois décrets publiés en toute discrétion. Ils avaient bien sûr suscité un tollé pour ceux qui étaient informés. Le Conseil d'État donne raison au gouvernement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la police et la gendarmerie pourront ficher les opinions politiques, les appartenances syndicales et données de santé au nom de la sûreté d'État. Voilà, bienvenue à Nour CHN78, bienvenue à Lettres Andalouses, et on a déjà souhaité la bienvenue à Polyéthique. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que normalement, on va reprendre déjà des concepts de base. Le droit à la vie privée est un droit, ce qu'on appelle inaliénable. C'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes. Et si vous regardez la Convention européenne des droits de l'homme, elle garantit le droit à la vie privée. Pourquoi? Imaginez un instant que vous soyez surveillé tout le temps et qu'on vous regarde tout le temps. Cela va forcément affecter votre comportement avec les gens, puisque vous ne vous comportez pas à l'extérieur de votre domicile comme vous vous comportez à l'intérieur. Et le besoin de vie privée, c'est ce qui fait que chez nous, on a des portes, des rideaux aux fenêtres. Et que lorsque nous sortons, nous fermons la porte à clé. Lorsque nous avons des codes en ligne, nous les sécurisons avec des codes d'accès. Bienvenue à Turquoise 100 000 ou 10 000? Bon, je ne sais plus. 1, 2, 3, 100 000. Et ce droit à la vie privée, c'est ce qui nous permet à nous de être en retrait de la vie publique et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, être nous-mêmes. Or, dans un pays comme la France, ce droit à la vie privée, ça fait des années qu'il a été nié. Alors, on a Aliou Alassane, que je remercie, qui a publié une nouvelle thématique. Et on va en parler concernant l'islamophobie. Alors, quand vous vivez en France, en juillet 2015, la loi surveillance a été adoptée. Cette loi surveillance fait que toutes nos conversations en ligne, toutes nos publications sur les réseaux sociaux, tous les sites sur lesquels nous allons, les vidéos que nous regardons, les sites que nous visitons, les sites d'information, les achats que nous faisons, nos appels téléphoniques, qui nous appelons, à quelle fréquence, etc. Tout cela comment dire ça, est enregistré grâce à nos fournisseurs d'accès Internet.
Ça veut dire que via ce qu'on appelle les black box ou les boîtes noires, toutes nos données en ligne sont communiquées au gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement, à tout moment, est capable de savoir ce que nous faisions en ligne, ce que nous avons publié, etc. Et ainsi, identifier nos opinions, même si nous ne les avons pas rendues publiques. Et c'est pour ça que c'est un danger, parce que, encore une fois, imaginez-vous que je vous dise, je vous mets une caméra chez vous, H24. Mais vous allez devenir fou, vous allez devenir folle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vivre en étant observé constamment. Et que vous allez forcément vous censurer, affecter votre comportement pour, bah, ne pas que la, pour pas que la personne qui vous surveille puisse vous punir et vous réprimer. Bienvenue à El Mounir. Donc, sachant cela, et qu'en plus, nous avons un état d'urgence permanent. Qu'est-ce que l'état d'urgence permanent? C'est ce qui permet à l'État de pouvoir vous perquisitionner sans passer devant le juge. Ça veut dire de violer votre domicile, d'entrer avec la police ou la gendarmerie, juste sur la simple base d'une accusation. Avant, il fallait prouver que quelqu'un était suspect, qu'il avait des activités qui pouvaient porter atteinte à ce qu'on appelle la sûreté de l'État, en tout cas à l'ordre public ou à la sécurité publique. Aujourd'hui, on peut vous perquisitionner sur dénonciation de votre voisin ou la simple base d'un soupçon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les musulmans sont les premiers à être perquisitionnés. Et sont perquisitionnés parce que, étant donné que les musulmans ont été, comment dire ça, décrits comme une communauté suspecte, que les musulmans sont par définition suspects à cause de leurs origines, à cause de leurs idées, à cause de leur religion, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on soupçonne des musulmans, on peut le faire comme l'a fait Gérald Darmanin. Plus de 243 perquisitions ont été décidées pendant les 2 mois derniers, depuis le discours d'Emmanuel Macron aux Mureaux. Et tout ça, alors, et en admettant que, légalement parlant, on n'a rien de ces personnes. Donc, dans un environnement comme celui-là, en plus de cela, qu'est-ce qu'on a? On a l'État, sachant que il est extrêmement impopulaire, dans un pays où la colère populaire ne cesse de grossir. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu avec les différentes manifestations et les plans sociaux de l'année dernière et des plans sociaux qui continuent. Michelin a encore annoncé qu'ils allaient licencier 2 500 personnes. Dans un pays, on a eu des violences policières qui ont été constamment sous le feu des projecteurs. Dans un pays où on a eu une gestion de la Covid-19 qui a provoqué la mort de 65 000 personnes. Donc nécessairement, ces 65 000 personnes, bienvenue à NEMS 94 et Kamel Adel et El Ouini, ces 65 000 personnes ont des familles. Et si vous allez sur le site plainte Covid-19, 200 000 personnes ont déjà téléchargé un dossier de plainte. Et en plus, je le publie sur ma page Facebook, je crois ce matin ou hier. Bienvenue à Coach Québé, bienvenue à Le Grenier de l'Amérique 42. Vous aviez une annonce qui était faite en toute discrétion. Je vous la ressors, chers amis. Vous vous souvenez de Agnès Buzyn? Agnès Buzyn, qui était quand même la ministre de la Santé, qui était censé gérer la crise de la Covid-19. On va pas revenir sur la catastrophe sanitaire qui a été provoquée, les incohérences de l'État, les mensonges à répétition, etc. On a appris dans une série d'articles discrets, bienvenue à Yasmine Hou, on a appris que, on savait déjà, pardon, qu'en quittant le ministère, Agnès Buzyn reconnaissait, j'ouvre les guillemets et je la cite, je savais que la vague du tsunami était devant nous. Ça veut dire que nous avons une ministre de la Santé qui savait qu'on courait vers la catastrophe à cause de la pandémie. L'ambassadeur de France en Chine avait déjà averti depuis octobre 2019. Ça veut dire que depuis octobre 2019, on savait qu'une épidémie avait été, a commencé dans la région du Wuhan en Chine et que dans un monde globalisé, on ne peut pas cloîtrer une épidémie sans confinement. Or, la Chine n'avait pas confiné. Et on a continué à voyager comme si de rien n'était. Et pendant des mois, on nous mentait, on nous disait,
Vous inquiétez pas, il y aura pas, le virus ne va jamais arriver en France. On sait ce qui s'est passé par la suite. Et cette personne, Agnès Buzyn, sachant qu'on court vers la catastrophe, quitte ses fonctions de ministre de la Santé pour aller se présenter aux élections municipales en espérant remporter la mairie de Paris, ce qui était impossible. Benjamin Griveaux de La République En Marche s'était grillé à cause du scandale où il avait, excusez-moi, montré ses parties génitales sur un site internet, ou en tout cas il les avait envoyées à une femme. Donc il fallait remplacer dans l'urgence Benjamin Griveaux. Agnès Buzyn le remplace au pied levé, alors qu'elle est censée gérer une pandémie qui allait provoquer des dizaines de milliers de morts. Elle a préféré se présenter aux élections et dans la même interview qu'elle a accordée au Monde, c'est-à-dire au mois d'avril dernier, je crois, elle disait, je la cite, c'était une mascarade, il fallait tout arrêter, ou on aurait dû tout arrêter. Or, on apprend que Agnès Buzyn, au Conseil des ministres du 3 septembre 2020, pour commencer, approbation de l'accord entre la France et l'Organisation mondiale de la santé relatif à l'octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que l'Organisation mondiale de la santé, qui a eu peur d'enquêter sur la Chine et de mettre la pression sur le régime chinois pour une gestion plus transparente de l'épidémie, pour éviter qu'on ait la catastrophe qu'on a eue l'année dernière. Les fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé vont obtenir l'immunité diplomatique. Donc, on a Agnès Buzyn qui a démissionné. Elle se présente aux élections municipales. Ça, bien sûr, elle échoue. Entre-temps, elle est recasée, je crois, dans un laboratoire pharmaceutique. Entre-temps, on ratifie un accord entre la France et l'Organisation mondiale de la santé pour accorder le statut diplomatique aux fonctionnaires de l'OMS. Et qui est nommé à l'OMS? Vous l'avez deviné, c'est Agnès Buzyn. Et écoutez bien le titre pompeux qu'on lui a donné. Selon l'agence France-Presse, l'AFP, l'ancienne ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé sa nomination à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, où elle sera chargée du suivi des questions multilatérales. En gros, elle aura un poste fictif et on l'a recasée. Donc, on a l'ancienne ministre qui a été incapable de gérer convenablement la crise qui arrivait, qui a été recasée à l'OMS au même moment où on accorde l'immunité diplomatique à ces mêmes agents. Donc en gros, Agnès Buzyn a été recasée vers un poste fictif doré, mais en plus, elle a le droit à l'immunité diplomatique. Donc dans ce pays-là, c'est 65 000 morts, ces centaines d'éborgnés, ces centaines de personnes qui ont été brutalisées par la police, les milliers de personnes qui subissent les plans sociaux sans qu'on en parle. On leur dit, on va maintenant pouvoir ficher les militants politiques. Or, encore une fois, quelle est la définition d'un militant politique? Ça veut dire que toute personne qui prend une position politique à titre individuel ou en rejoignant une organisation, bienvenue à Farida HB El Watan et bienvenue à Khair Nour. Toute personne qui prend une position politique publique pourra être fichée. Donc déjà, il y a le problème que l'État veut avoir plusieurs fichiers où les gens sont fichés en fonction de leurs opinions politiques. Deuxièmement, non seulement il y a cette décision qui est prise, qui est extrêmement dangereuse, ça rappelle encore une fois les pratiques du régime Ben Ali en Tunisie, ou de la police politique au Maroc, ou de la police politique en Égypte, ou encore en Hongrie, ou dans des pays où c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Et donc aujourd'hui, on a un État qui vous dit, bah, dès que vous prenez position publiquement, on va vous ficher. Mais à quelle fin? Pourquoi vouloir
consigner dans un fichier les opinions des uns et des autres, leurs appartenances syndicales et en plus les données de santé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, j'ai pas envie de vous défaire un dessin, pourquoi est-ce qu'un État aurait besoin de ficher tous les opposants politiques potentiels qui pourraient s'organiser, qui pourraient contester? Pourquoi est-ce qu'il faut les ficher et inclure en même temps leurs données de santé? Il y a vraiment des raisons de s'inquiéter, et comme l'a révélé Mama Ben, le demandait Mama Ben il y a quelques minutes, le Conseil d'État, au lieu d'être, comment dire ça, une protection, une barrière face à des hommes et des femmes politiques qui ne rendent jamais de compte sur les décisions qu'ils prennent, on a le Conseil d'État qui valide. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand l'état d'urgence a été décrété le 14 ou le 15 mai 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quand même été renouvelé à 6 reprises. Et le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire. Systématiquement, le Conseil d'État a validé. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, nous avons la démonstration que nous vivons dans un pays où vous avez des responsables politiques, je ne sais même pas si c'est encore responsable, puisque être responsable, c'est-à-dire quand même rendre des comptes un minimum. Vous avez des responsables politiques qui font passer des décisions pour permettre à l'État de pouvoir réprimer encore plus sans jamais rendre de compte. Et ça veut dire que l'État sait très bien qu'il est assis sur une marmite sociale. Alors, oui, et comme le rappelle à l'instant Ratiba Medas, ce ne sont pas seulement les militants qui vont être fichés, ce sont les militants, mais aussi leurs familles. Et là, l'idée, c'est que les personnes, les citoyens, intériorisent l'idée qu'il faut avoir peur et qu'il faut rentrer dans l'ordre, ou plutôt dans le rang, pardon. Il faut respecter l'ordre établi. Et quand vous voyez des fonctionnaires comme Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui a géré les manifestations des Gilets jaunes avec la brutalité qu'on a vue, qu'on va même plus décrire, on l'a déjà assez couvert, et des centaines de vidéos sont déjà sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Cette même institution qu'on appelle l'État a porté au nu un Didier Lallemand qui ne se cache pas de ses opinions extrêmes. D'ailleurs, une révélation, je crois que c'était du Canard Enchaîné ou de quel autre journal, qui parlait de Didier Lallemand comme d'un nazi. Voilà où nous en étions. Et Didier Lallemand qui parle aux manifestants en disant « Il y a deux camps, moi contre vous. » Alors, on a Salem Ben Bourek qui nous souhaite à tous une bonne année à tous. Alors, oui, il y a Ratiba Medas, je vous conseille d'aller sur Facebook, consulter le poste de Ratiba. Elle reprend un article de la Quadrature du Net qui fait un excellent travail sur les libertés en ligne, le droit à la vie privée, la surveillance de masse, et c'est des gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé, et que je recommande. D'ailleurs, je salue au passage leurs membres, et bien entendu, leur direction. Alors, exactement, comme le dit à l'instant Ratiba, encore une fois, Ratiba Medas, exercer une pression psychologique sur les gens, une pression psychologique sur les gens, pour ne pas qu'ils aient contesté. Mais moi, je vais donner par exemple l'exemple tunisien. Quand la Tunisie était sous la dictature de Ben Ali, la dictature de Ben Ali était extrême en Tunisie. Chaque quartier avait son indicateur de police. Le régime Ben Ali était vraiment un régime policier où c'est l'institution policière qui était au centre du pouvoir. Et Ben Ali, ayant été lui-même un ancien policier, avait quadrillé le pays. Or, les pratiques du régime Ben Ali en Tunisie, et les Tunisiens peuvent témoigner pour ce qu'ils ont vécu durant quasiment
ouais, on va dire quand même 87 à 2014, ouais, plus de, ouais, on va dire, allez, 20 ans pour être généreux. On a Ben Ali qui avait aussi fait courir la rumeur que il avait des agents en France qui surveillaient les Tunisiens. Ce qui fait que même les Tunisiens établis en France avaient intériorisé la peur du régime Ben Ali et entre eux refusaient de parler politique. Dans les marchés, les mamans tunisiennes, je peux parler à celles que j'ai connues au marché de Vitry-sur-Seine, qui est un grand marché du 94 où j'ai grandi. Les mamans avaient peur entre elles, se disaient, attention, on peut avoir des agents du régime Ben Ali. Et c'est exactement ça qu'est en train de faire Emmanuel Macron et son régime, à savoir dissuader toute opposition et faire en sorte que les gens aient peur de contester et que, pour citer, on ne va pas faire de théorie politique, que les gens, on leur fait croire qu'il vaut mieux être dans un cadre où c'est l'ordre qui règne, même un ordre injuste, que la liberté et le chaos. Alors, toujours Ratiba, la République en marche fait de la France une dictature réprimant la liberté d'expression et de pensée. Soit tu rentres dans le moule, soit tu es opposant. Par contre, ça, c'est pas nouveau. Il faut comprendre que quand un événement devient aussi flagrant, c'est que pendant des années, ça a grossi sans être nécessairement sur la place publique. Alors, NEMS 94 qui me parle du marché de Vitry exactement face à l'église. D'ailleurs, j'ai travaillé au marché de Vitry quand j'étais lycéen pendant des années. Alors, on va accueillir les nouveaux arrivants. ST FTMZHR, bienvenue. Walig, non, pardon, Walid G3, bienvenue. Tami Mima, bienvenue. Alors, Pervez.Nousrat, bienvenue aussi. Alors, NEMS94 qui commente, il y aura de gros mouvements sociaux en France et sûrement dans le monde, comme ce qui se passe aux États-Unis. Mais en fait, c'est que c'est inévitable. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que vous voyez bien que l'explosion des inégalités, bah, fait que le capitalisme actuel est un modèle qui n'est pas durable. Vous ne pouvez pas avoir des fortunes amassées, vous ne pouvez pas voir les milliardaires français comme Bernard Arnault qui voient leur fortune augmenter, exploser de 47%, pendant que des gens crèvent sous la Covid-19, pendant que des gens n'ont plus de quoi se nourrir, dépendent des banques alimentaires, les Restos du Cœur qui vous disent qu'on a eu une explosion des demandes et aujourd'hui, ben, on a des gens qui habituellement ne venaient pas, ça veut dire des étudiants, on a maintenant des couples qui viennent parce qu'ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Et on a vu que dans des zones comme la Seine-Saint-Denis, pour parler de la région parisienne que je connais plus que les autres régions de France, et vous me pardonnerez mon tropisme parisien, ben, on voit très bien que dans la Seine-Saint-Denis, ce sont des réseaux de solidarité qui ont littéralement remplacé l'État. Et est-ce que c'est acceptable dans un pays qui passe son temps à envoyer des troupes à l'étranger pour pouvoir établir l'ordre et la démocratie. Alors, voyons voir les commentaires sur les autres pages. Alors, bienvenue à Karim Amlal. Il y a une fin à tout. Oui, Karim Amlal, oui, c'est vrai. Dans l'absolu, tout a une fin. Le problème, c'est sous quelle forme, sous quelles conditions. Est-ce que la fin du capitalisme actuel fera émerger un régime dictatorial, digne de Pinochet, pardon. Quand vous avez que l'État aujourd'hui, bah, toutes les lois sécuritaires font que il est de plus en plus risqué de s'opposer au gouvernement. Vous voyez bien qu'il y a une criminalisation des acteurs associatifs. Je vous rappelle, j'ai quand même 4 procès sur le dos. C'est pas rien. Je le répète, mais pour vous donner un exemple, parce que je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas lointain. C'est moi qui parle. 4 procès, non pas pour avoir cassé une vitrine et encore, c'est parce qu'au CJL, nous avons fait une série d'enquêtes qui ont révélé le racisme et la répression au sein des agences gouvernementales, plutôt des mairies
Colombes, Hôtel de Ville de Paris, mairie du 20e, et mon opposition à Julien Odoul de l'extrême droite. Julien Odoul qui a exclu une femme voilée d'un conseil régional de Bourgogne, je crois, et lui a porté plainte et je me suis retrouvé en garde à vue. Est-ce que j'ai commis un crime ou un quelconque délit en ayant fait ce que j'ai fait? Non! Mais comme l'État accorde la protection fonctionnelle aux agents qui appliquent ces décisions, ces agents-là sont aussi protégés. Et ça veut dire que mes impôts à moi financent les personnes qui me traînent en justice. Donc voici le pays dans lequel nous vivons. Et quand Karim Amlal, que je salue au passage, dit il y a une fin à tout, oui, on est d'accord. Le problème, c'est sous quelle forme, sous quelles conditions est-ce qu'on arrivera à la fin d'un cycle? Et quel sera le cycle suivant qui sera entamé? Si nous savons ce que nous perdons, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais de par notre organisation et notre quasi-impuissance face aux décisions politiques, ben, qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Alors, Elwini, bienvenue à elle qui pose la question. Que va devenir la France? Ça, c'est difficile de prévoir l'avenir, surtout quand on parle du futur. Bah oui, Elwini qui commente, la politique me répugne, mais pourtant, il faut bien s'y intéresser pour comprendre comment fonctionne cette société et les grosses M qui la dirigent. Alors, et là, en fait, on est face à un dilemme. Alors, on a Hichem Sahraoui qui commente, on peut toujours s'opposer en faisant des boycotts, sachant que ces gens ne parlent pas, ne parlent que par le fric. Tout ce que vous dites est vrai. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes plus nombreux, mais nous sommes moins organisés. C'est une réalité. Nous avons les moyens de résister. Nous avons les moyens de nous organiser. Mais nos ressources sont éparpillées. Partout, elles sont atomisées. Et nous sommes incapables de résister face à ce rouleau compresseur. Et c'est pour ça, voilà, nous en parlons aujourd'hui, et je parle fièrement de ma chapelle qui est le CJL. Notre démarche n'est pas une démarche qui est en quête d'un coup médiatique, mais c'est une démarche qui est là pour faire organiser une résistance durable. Et c'est pour ça que lorsqu'on vous dit au CJL, nous commençons d'abord par produire de l'information et de nos propres enquêtes, mais au cœur de notre action, c'est l'éducation politique, l'éducation populaire qui permet aux gens, comme le disait à l'instant Hichem Sahraoui, de pouvoir s'organiser et d'avoir les outils, non seulement pour parfaitement analyser ce qui se passe autour d'eux, comprendre le monde dans lequel ils vivent, comme pour reprendre le commentaire de Elwini à l'instant, mais aussi avoir les outils pour pouvoir s'organiser. Parce que comment fonctionne une démocratie? Ben, elle fonctionne comme ça. L'État, il est au service des personnes qui le mettent à leur service. C'est comme ça que ça marche. Alors, reprenons ce qui se dit, voyons voir ce que les commentaires disent. Alors, j'ai quand même accueilli les personnes sur Instagram. Alors, bienvenue à IDKYSF, IDKS, IDKYSF. Bienvenue à Charlie Peniro, qui est un régulier. Oui, j'ai bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on va en parler à l'instant. Meub Angie, bienvenue à elle. Bienvenue à Abdelmajid 56941. Bienvenue à Wally Wallon. Bienvenue à Hamoudi Lasri. Alors, bienvenue à Tirana95, Nawel Amkaen. Voilà, merci. Alors, parlons maintenant de l'actualité du CJL. Alors, les lives du CJL, comme vous le voyez, se sont installés, d'accord? C'est vraiment pour moi devenu l'événement de la semaine. Pourtant, voilà,
Je pourrais très bien dire si les podcasts que je fais ou mes interventions. Le jeudi, je sais que j'ai rendez-vous avec vous. Je sais que j'ai un moment, voilà, on va pouvoir parler sans gêne, analyser l'actualité, partager nos idées, débattre. Vous voyez bien que des gens me contredisent et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Tant qu'on est dans le, voilà, on n'est pas dans le harcèlement, l'invective, les menaces, les insultes, etc. Le but, c'est qu'il y ait de la bienveillance, non pas théorique, mais que voilà, j'ai mon désaccord avec toi, Yasser, j'ai mon désaccord avec toi, un tel, etc. Mais que lorsque vous débattez entre vous, on reste quand même dans une démarche constructive. Maintenant, ce live du CJL, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un événement qui demande de l'organisation, de la préparation, et que le but, c'est que nous en tirions tous profit. C'est pour ça que j'aime pas en faire un monologue où c'est moi qui vais vous raconter la vie. Je ne pense pas être en position de le faire. Mais en même temps, que lorsque nous terminons ce live-là, je sais et vous savez que chacun d'entre nous a acquis quelque chose. On a partagé quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on puisse faire un suivi. Ça veut dire qu'on se fixe des objectifs communs. Homs de la Vega avait récemment lancé un défi pour que nous puissions faire augmenter le nombre d'abonnés du CJL. Et si je reprends mes notes, je ne sais plus dans quel cahier j'ai noté ça, on avait lancé un défi et franchement, ça a été une jolie expérience. On devait trouver 45 nouveaux adhérents au CJL. Je vous mets ici la page pour adhérer, c'est jl.ong slash adhésion. D'accord? Je vous le publie ici et là sur la page du CJL, cjl.ong slash adhésion. Le but, c'était qu'on augmente le nombre d'adhérents. Comme vous le savez, les adhérents du CJL ne sont pas contraints financièrement. Le but, ce n'est pas de vous faire les poches. Le but, c'est que vous souteniez une organisation qui vienne aussi en soutien à vos causes respectives. Maintenant, étant donné qu'au CJL, on a fait le choix de ne pas prendre de subventions publiques, pourtant j'y ai droit. Les personnes qui font des dons au CJL sont aussi des personnes qui payent des impôts. Or, le choix que nous avons fait, c'est pour ne pas être dépendant du gouvernement. Ne pas aller créer une relation de dépendance avec des fondations qui ont des agendas politiques opposés à nos valeurs. On s'est dit, on va rester 100% autonome et s'autofinancer. En même temps, une personne qui n'a pas les moyens de donner 50 euros par mois toute l'année, elle ne devrait pas être empêchée d'adhérer à une organisation qui lui permet d'apprendre sur ses droits, ce qu'elle a besoin de savoir pour les faire valoir. Ayant dit cela, il faut qu'on puisse avoir un grand nombre d'adhérents. Et jusqu'à maintenant, le CJL, bienvenue à Sami A sur Instagram. Si on fait le choix de l'autonomie, il faut que la base adhérente soit la plus large possible. Pour vous donner un ordre d'idée, le CJL a besoin, c'est un budget. Si le CJL fonctionne convenablement, le minimum qu'il nous faut pour opérer, c'est 100 000 euros. 100 000 euros qui couvriront trois salaires, ça veut dire une directrice ou un directeur, chef de projet, ce ne sera pas moi, ce n'est pas moi de faire ça. Une personne qui s'occupe des opérations au quotidien, programmée. Les enquêtes à venir, organiser la diffusion des enquêtes publiées, organiser l'éducation populaire, développer le réseau de solidarité, coordonner nos actions à l'intérieur et nos actions à l'extérieur. L'autre poste, un journaliste d'investigation qui, lui ou elle, sera constamment sur le terrain pour enquêter sur. Bienvenue à Aouda Aouda. Pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et des libertés publiques. Pourquoi? Je me répète, c'est pas grave. C'est que vous voyez bien que chaque média a son agenda. Que veut faire un média? Tout média veut faire le buzz. C'est comme ça.
c'est la vie. Il faut faire avec. On ne changera pas le monde et on n'ira pas à contre les fondations de ce monde et particulièrement de la société de ce que, comme disait Guy Debord, la société de spectacle. D'accord? C'est comme ça. Tous les médias ont une hiérarchie de l'information. Qu'est-ce qui est important pour eux? Et c'est pour ça, si vous prenez une dizaine de magazines ou de journaux, vous verrez que les unes se ressemblent sensiblement. C'est pas un hasard. 90% de la production médiatique appartient à 8 milliardaires. Et même les médias d'investigation, type Mediapart ou type, je sais plus, Reflet ou d'autres médias qui se disent indépendants comme Le Média, qui d'ailleurs ont volé une enquête du CGL sur les violences policières à Colombes. Ils sont venus chez nous, ils ont pris toutes les informations, ont publié un papier. En retour, je me prends un procès avec la mairie de Colombes et eux ont fait leur beurre grâce au travail du CGL. Et bon, grand bien leur fasse, le travail du CGL continue. Tous ces médias-là ont leur propre agenda. Ça veut dire que lorsque vous avez des violences sexistes qui touchent des femmes arabes ou des femmes noires dans certaines régions, dans certaines administrations, lorsque vous avez des discriminations ou des violences policières, faut-il attendre que des médias s'y intéressent, surtout que ces médias-là n'embauchent pas tout le temps des personnes issues de nos quartiers populaires. Et que lorsqu'elles sont embauchées dans nos quartiers populaires, ces journalistes-là doivent suivre la hiérarchie imposée par leur direction. Et cette hiérarchie de l'information est établie par qui? Par des gens qui ne partagent pas nécessairement notre quotidien. Donc c'est pour ça que le CJL doit être capable de continuellement enquêter sans dépendre d'un média ou d'un autre. Donc ça fait deux postes. Le troisième poste nécessaire, c'est une responsable des campagnes qui s'occupera d'organiser les campagnes de communication, les campagnes de formation, les campagnes d'aide aux victimes, etc., et d'organiser et de structurer le travail du CJL avec le reste du monde, que ce soit en France, l'Europe ou au-delà, particulièrement les États-Unis. C'est pour ça qu'il faut 100 000 euros. Alors, bienvenue à Ainsi soit-elle. Avant de continuer, bienvenue à Faten Chou. Alors, pour continuer, une fois que je vous ai parlé du budget du CJL qui n'est pas couvert, on n'a pas vraiment atteint nos objectifs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas bloquer le travail du CJL parce qu'il n'y a pas de financement pour l'instant. C'est pour ça que pour l'instant, ça repose sur mes épaules en grande partie. Et la charge que j'ai sur mes épaules, c'est non seulement de produire régulièrement les podcasts, un en français, un en anglais. Vous imaginez bien que sur un podcast qui dure 1 heure, c'est 4 heures de travail, 3 heures de travail de préparation pour avoir les informations, pour pas vous dire n'importe quoi. Et que enfin, quand on m'écoute, il faut quand même qu'on puisse me citer sans crainte. Donc il y en a un en français et un en anglais. Mes interventions régulières dans les médias et le live que nous faisons ensemble, il faut qu'ils puissent atteindre certains objectifs. Et ce que je crains, ce que je ne veux pas qu'il se fasse, c'est que les gens soient dans une consommation de live Facebook, Instagram, sans que pour autant ça les aide dans leur quotidien et qu'ils soient dans une réception passive. On regarde, c'est bien sur le moment et on passe à autre chose. C'est pour cette raison, et après réflexion et après en avoir parlé avec des camarades de lutte, décision a été prise de faire que ces lives n'auront plus lieu sur Facebook. Je sais que ça va en décevoir quelques-uns, et j'en suis navré, mais de les organiser sur une plateforme déjà qui est plus sûre que Facebook, parce que n'oubliez pas que Facebook est ultra surveillé, que tout est enregistré, etc. Tout est enregistré, pardon, bienvenue à Mel, mais en même temps, il faut que nous puissions nous retrouver dans un endroit qui soit sécurisé, d'accord, et que ce ne soit plus un monologue. Yasser qui vient vous raconter sa vie, enfin plutôt la vie, pour être plus précis, mais que ces lives-là servent
à être une plateforme d'éducation populaire. Et donc, il faut que ces lives soient formateurs. Je suis extrêmement reconnaissant vis-à-vis des personnes qui me donnent 1 heure de leur temps, une fois par semaine, voire plus, pour m'écouter parler, débattre avec moi, échanger avec le public, et qui m'honorent par leur présence. Mais j'ai aussi une obligation envers vous, c'est déjà de préparer des lives de qualité. Ce n'est pas de vous raconter des généralités et de vous balancer des évidences, mais plutôt. Ah oui, il y a Aliou Alassane qui. C'est vrai, je reviens à vous, Aliou Alassane, dans 2 minutes. Vous me le rappelez, s'il vous plaît. Mais plutôt que ces lives vous servent à progresser et à ce qu'on progresse ensemble et que nous puissions tisser des liens au moins entre nous. Donc, je vais encore faire quelques lives. Je me dis 2 ou 3 lives supplémentaires, 2 ou 3 lives pour commencer. Et ensuite, ces lives-là seront sur inscription pour que les personnes qui sont vraiment sérieuses et qui veulent évoluer, vous inquiétez pas, je vais pas vous balancer des pavés à lire, etc. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que ce live-là, lorsque vous passez 1 heure avec nous, déjà, vous repartez avec quelque chose, mais que vous soyez impliqué durant la semaine qui va s'écouler. Et donc, on va partager des lectures, des textes, voilà, au format A4, un texte qui explique comprendre le pouvoir, comprendre la politique, comprendre la démagogie, qu'est-ce qu'une démocratie, qu'est-ce que les droits de l'homme, qu'est-ce que les libertés publiques, comment défendre mes droits, quelles sont les lois qui me garantissent mes libertés, etc. Comment les faire valoir, etc. Et c'est pour ça que là, je travaille sur une plateforme qui sera sécurisée. Donc, j'ai pas encore décidé laquelle je dois m'en référer aux personnes qui sont plus connaissantes que moi sur la question d'ordre technique. Et j'aimerais avoir votre retour. Qui sera partant pour pouvoir s'inscrire? Donc, en finissant l'émission, oh, plutôt l'émission, je pense au podcast. En finissant le live, voilà, je vous demanderai s'il vous plaît de m'envoyer un message. Ça ne sera pas public, d'accord? Ça, il n'y a que moi qui le saura, et bien sûr une personne du CJL pour savoir, voilà, quels sont les hommes et les femmes qui veulent passer à l'échelon supérieur et ne plus être passifs. Et ne plus être passifs dans le temps qui passe. Alors, il y a une question qui a été posée. Est-ce que les ateliers de formation seront payants ou gratuits? Il y aura des formations gratuites et il y aura des formations payantes. Pourquoi? Parce que, bah, oui, Yasser fait ce qu'il fait gratuitement, mais je ne peux pas le demander à tout le monde. Si je fais intervenir un sociologue demain, si je fais intervenir un professeur, un avocat, si je fais intervenir quelqu'un extérieur, il faut que je puisse payer la personne. C'est tout à fait normal. Et la décision d'être volontaire, c'est ma décision personnelle que je ne peux imposer à personne. Et c'est pour ça que les formations payantes serviront à couvrir les frais de fonctionnement et à faire tourner le CJL. Encore une fois, je veux vraiment que vous compreniez notre logique au CJL, c'est que c'est vous qui décidez combien valent vos droits. C'est vous qui décidez combien ce que vous pouvez donner. C'est pour ça que pour adhérer au CJL, c'est à partir de 1 euro sans engagement. On aura du mal, on est conscient, on n'est pas naïf. Mais ce que je remarque, quand on regarde les donateurs, oui, les gens vont donner 1 ou 2 euros pour adhérer, mais ils vont faire un don de 50 euros. Ils vont faire un don de 100 euros. Il y en a même un qui a fait un don de 500 euros. Vous voyez? Parce qu'ils comprennent la logique. Ils savent que le CJL n'est pas là pour comment dire ça, s'enrichir ou imposer des conditions financières pour pouvoir adhérer. C'est contre ce que nous sommes fondamentalement.
Alors maintenant, comme promis, je reviens à Aliou Alassane, qui a été patient et je le remercie. Bienvenue à Ralia Nerwa. Elle n'est pas sur Facebook, Daria, normalement. Bienvenue à ZBEE 7657 et Aliou Alassane qui dit, au risque de me répéter, le silence de la communauté musulmane sur la question des Ouïghours, c'est l'omerta ou c'est comment? Alors, je ne serai pas aussi cinglant dans ma question. Pourquoi? Parce que les musulmans de France se mobilisent selon leurs moyens. Bien sûr qu'il y a eu aussi un silence assourdissant. Mais comme il y a un silence assourdissant des musulmans face à l'islamophobie en France, et donc, la meilleure manière d'aider les Ouïghours, c'est que les personnes qui veulent soutenir les Ouïghours parce qu'ils ou elles sont musulmanes existent politiquement en France pour pouvoir peser sur les décisions politiques du gouvernement français qui est extrêmement soumis au régime chinois. On va pas revenir sur les conditions. La Chine ayant la main supérieure sur l'économie capitaliste étant devenue l'atelier du monde capitaliste et que toutes les entreprises européennes et américaines produisent à moindre coût en Chine. Aujourd'hui, la Chine est le centre de fabrication du monde, donc forcément, ben c'est elle qui un peu dicte ces conditions. Mais moi, je retourne la question à Aliou Alassane. Saviez-vous que le CJL avait publié une vidéo il y a déjà un an sur les Ouïghours? Qui est au courant que le CJL a publié une vidéo sur les Ouïghours qui explique la lutte historique des Ouïghours au Turkestan oriental, qui explique ce que la Chine fait subir aux musulmans Ouïghours en Chine depuis 1948 avec Mao Tse-Tung, et qui se termine par un appel au boycott. Est-ce que vous le saviez ça? Alors, Aliou Alassane qui dit, quand c'est les caricatures, on n'a pas besoin d'exister politiquement pour faire du bruit et se faire entendre. Est-ce que les musulmans se sont vraiment fait entendre pour les caricatures? Non. On a eu des mobilisations à l'étranger, on l'a vu. N'oubliez pas que les manifestations ont été... Non. Aliou Alassane, non mais Aliou Alassane, il ne faut pas le prendre comme ça, mais je vais vous expliquer. Aliou Alassane qui répond, je parle du silence de la communauté musulmane en général, et non du CJL, ce qui est vrai. Par contre, je vais en arriver. Oui, pour les caricatures, n'oubliez pas une chose. Lorsqu'on vous montre des manifestations dans le monde musulman, la presse est toujours en quête de sensationnalisme. Pourquoi? Pour montrer, ah, l'Occident est encore une fois opposé au monde musulman. C'était ça, la position de Macron. Sauf que, le boycott des produits français, ben, on a une personne comme Mohamed Moussaoui, président du CFCM, qui a demandé à ne pas boycotter les produits français. Combien de personnes ont écrit à Mohamed Moussaoui ou au CFCM pour exprimer leur indignation et lui demander de changer sa posture, sa position, et de ne pas parler au nom des musulmans lorsqu'il fait une chose pareille? Autre chose, quand on dit le silence de la communauté musulmane, je trouve que c'est assez injuste. Ça ne veut pas dire que beaucoup de gens ne sont pas dans une apathie et se complaisent et sont fainéants. Ça existe. Mais faire un jugement généralisé, en règle générale, fait qu'on arrive à une décision, on arrive à une opinion qui est généralement un peu trop biaisée. Est-ce qu'il y a des plateformes qui ont été mises sur place pour faciliter la mobilisation? Bienvenue à Hammam Adbour et bienvenue à Yassine 3920. Est-ce que les plateformes qui ont été mises en place ont été renforcées pour que ce qu'on appelle la communauté musulmane, mais alors qu'elle n'existe pas, il n'y a pas une communauté musulmane. Il y a des communautés musulmanes. Parce que s'il y avait une communauté musulmane, ça fait longtemps qu'elle se comporterait comme une communauté et qu'elle n'en serait pas là aujourd'hui, surtout avec une islamophobie au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Fin de parenthèse. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que
avant de jeter l'opprobre sur un groupe donné, ben, c'est de se dire, est-ce qu'on a facilité la mobilisation de ces gens-là? Maintenant, attention, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un démagogue. Bienvenue à Bint Mohammed, Bint Mohammed. Je suis pas un démagogue. Et je brosse, en général, jamais les gens dans le sens du poil. Il y a une ce que j'ai toujours dit quand j'ai pris la parole, et dans les meetings, et dans les manifestations où je prends la parole, et dans mes vidéos, il y a toujours une part de responsabilité individuelle qui est incompressible. Ça veut dire que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent faire plus. Mais envoyer un courrier, téléphoner, aller aux manifestations, partager une publication, donner de l'argent, donner de son temps, partager ses ressources, partager son réseau, partager ses compétences. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et donc, aujourd'hui, on revient à nous qui sommes assez politisés, c'est de nous dire comment sensibiliser les gens pour qu'ils se sentent concernés et qu'ils soient, j'aime pas trop le terme, mais de dire mobilisables. Je vais vous citer un exemple. Et vous me pardonnerez d'être franc du collier et de ne pas aller par quatre chemins. Prenez l'exemple du collectif 10 novembre contre l'islamophobie. C'est un collectif qui s'est mis en place contre l'islamophobie, mais ça a été un coup médiatique. Ça n'a pas été un coup politique. On n'a rien. Thierry Germain, bonsoir, qui nous dit les musulmans se feront très vite museler. Ça dépend. Une réponse de comptable, vous me direz, mais on pourra en parler. Voilà, donc on a Farida qui partage aussi une démarche. Donc, pour revenir à ça, c'est que il y a Bint Mohammed qui nous dit, les gens aux Pays-Bas s'intéressent beaucoup à ce que nous faisons. Mais écoutez, Bint Mohammed, thanks for sharing this with us. You can reach me out if I can be of any service. And to connect the dots, you can drop me a message on my on Messenger or drop me an email via the CJL website. Don't hesitate, and I will gladly connect our struggles across the border. Merci à vous, Bint Mohammed. Et donc, qu'est-ce que je disais à l'instant? J'ai oublié. Bienvenue à Kher Malika entre-temps. Il faut garder en tête que pour que les gens soient mobilisables, il faut leur mettre en place la structure nécessaire. Bienvenue à Mamoudou. Quand vous regardez le 10 novembre, ça a été un coup médiatique. Mais qu'est-ce qui a été mis en place en termes d'infrastructure pour lutter? Comprenez une chose, mes amis, IS et IES, c'est que les problèmes que nous affrontons sont des problèmes d'ordre systémique. Ce ne sont pas des événements isolés les uns des autres. Ils sont provoqués par un système. Et on ne combat pas un système avec une manifestation, avec une vidéo virale, mais en mettant en place un mode de fonctionnement sur le long terme. Les problèmes que nous affrontons aujourd'hui ne sont pas nés aujourd'hui, ils sont nés depuis des décennies et n'ont fait qu'empirer à mesure que la société civile française s'effritait, s'émiettait, s'affaiblissait, se dispersait au point de devenir incapable de proposer un contre-projet à ce projet de société mené par l'extrême droite. Et donc là, c'est là qu'entre en jeu encore une fois le CJL. On a Daouda Djata qui dit, qu'est-ce que tu as contre les comptables? J'en suis un. J'ai rien contre les comptables, mais on sait que la réponse des comptables, c'est toujours, ça dépend. Je sais que Daouda est d'accord avec moi. Enfin, trait de plaisanterie. Donc, le CJL, son travail, c'est de permettre la mise en place. Excusez-moi, I have to say welcome to Youssef. It's in French, brother. I'm sorry about that. You will have to have a translator with you. I'm sorry about that.
So shout out to California and one love, brother. I gotta speak in French, I'm sorry. J'ai un ami qui est venu depuis la Californie pour regarder le live, mais bon, il parle pas français, donc forcément, il va vite se déconnecter. So of course, Youssef, if you're a disconnect, no problem. I won't hold it against you. One love. Donc, pour revenir à notre conversation, bah, le CJL a fait le choix d'enjamber les questions de coûts médiatiques, même s'il faut en faire. Mais il faut que ces coûts médiatiques s'inscrivent dans une démarche de longue durée. C'est pas on fait une manif, super, bon, on fait quoi maintenant? C'est ça le dilemme. C'est comment est-ce qu'on passe à quelque chose de plus durable. Alors, thanks Joseph. Voici la réponse que j'ai à donner à alors Ali, j'ai oublié le nom, c'est Ali Hassan, je crois. Et donc, c'est vrai qu'on peut critiquer le silence de la communauté musulmane. Encore une fois, méfiez-vous de ce terme. Il induit vraiment en erreur ce terme-là. Considérez ça, c'est pour ça qu'en fait que je dis toujours celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Mais celles et ceux qu'on appelle les musulmans ont besoin d'avoir une plateforme, ont besoin de soutenir une organisation qui ne trahit pas leur confiance. Mais si on regarde sur les 30 dernières années, je suis désolé, la confiance de celles et ceux qu'on appelle les musulmans a été trahie des dizaines de fois. Scandale financier, scandale sexuel, corruption, compromission avec les partis politiques, ça ne veut pas dire que c'est la majorité. Mais il suffit d'un scandale pour décourager des milliers de personnes qui disent, oh là là, moi, depuis ces histoires-là, j'ai plus envie. Vous voyez? Et il y a des personnes qui ont réussi à titre individuel et qui veulent s'impliquer. Mais ces personnes-là, souvent, se sont brûlées. Elles ont été déçues, voire dégoûtées. Elles ont été découragées. Mais encore plus triste que cela, elles ont été démobilisées. Une femme m'avait écrit il y a quelques mois, non, plus d'un an, quasiment 2 ans, en m'expliquant tout ce qu'elle avait vu dans le milieu associatif. Et qu'est-ce qu'elle a fini par m'écrire? Voilà, Yasser, j'aime bien ce que vous faites, mais j'ai été trop déçue par le milieu militant associatif. Je suis active, etc. Mais je suis quelqu'un de trop sensible et j'ai été dégoûtée du monde associatif parce que j'ai vu trop de gens qui trichent, trop de gens qui mentent, trop de gens qui trahissent et qui se servent de nos souffrances pour se faire une carrière. Qu'est-ce que je réponds, moi, à une personne comme ça? Je vais lui dire, non, c'est pas vrai. Non. Elle a dû en voir des vers et des pas mûrs. Et malheureusement, et c'est ce que je lui dis, malheureusement pour nous, elle a été démobilisée. Alors, Najat Rihani qui nous dit exactement, bienvenue à elle, on ne sait même pas vers qui se rapprocher pour fédérer la communauté. Bon. Bon, Thierry Germain, qui est très pessimiste, d'ailleurs je le remercie pour sa franchise, c'est une valeur sûre. Alors, on n'a rien à faire, l'opinion publique et politique n'a rien à faire de ce que l'on peut penser et dire. Ah, l'opinion politique, pardon. Des partis politiques tentent de sortir la tête de l'eau, mais ils se rendent compte que jamais ils n'auront le moindre poids. Encore une fois, réponse de comptable, oui et non. Le constat que fait Thierry Germain, il est vrai. L'opinion politique se contrefiche de ce que pensent les citoyens et que l'État n'est pas au service de la population, mais il est au service des lobbies. Lobby pharmaceutique, lobby financier, lobby de l'armement, etc., etc.
Alors, je viens de lire un commentaire à l'instant. Donc, pour revenir à ce que disait à l'instant Thierry Germain, c'est vrai que quand on regarde l'opinion politique, elle est en totale opposition avec les réalités des Français. Vous regardez les programmes politiques et vous regardez les inquiétudes des Français, vous voyez bien qu'il y a, il y a un gouffre, il y a un monde qui les sépare. Là, on leur impose la peur du musulman, là, on leur impose des programmes qui ne les concernent pas. Personne ne regarde l'inquiétude des Français en termes de chômage, retraite, couverture santé, l'environnement, bien sûr la sécurité, mais quelle sécurité on apporte à un peuple quand sa police est hors de contrôle et qu'elle peut tabasser et tuer en toute impunité? C'est vrai que là, on n'a pas de réponse à leur apporter. Or, il y a une grosse déconnexion entre les partis politiques et la population. Pourquoi? Il faut savoir que les partis politiques sont financés par des donateurs. Qui sont les donateurs capables de financer les partis politiques? En règle générale, ce n'est pas le smicard. Ce n'est pas la personne qui enchaîne les CDD. Ce n'est pas la personne qui est toujours en intérim. Ce sont des personnes à haut revenu ou qui sont sur la tranche supérieure. Et c'est ces personnes-là qui mettent les partis politiques à leur service. Repensez à la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, Thierry Germain qui dit, la France a du mal à panser ses plaies béantes comme Samuel Paty. Mais c'est vrai. Bien c'est vrai. Sauf que la mort de Samuel Paty n'a pas été utilisée comme une leçon à retenir. Elle n'a pas été utilisée à des fins de se poser des questions sur qu'est-ce qui a rendu possible l'assassinat de Samuel Paty, mais pas que lui, malheureusement. Il y a aussi la femme qui a été égorgée dans une église à Nice. Et je ne vous parle même pas de la série d'attentats qui ont eu lieu pendant les 5 dernières années. Mais personne ne pose la question des échecs de l'État. Personne ne pose la question comment se fait-il qu'un État qui a tous les moyens de répression possibles, imaginables, comme je disais au début du live, de la surveillance de masse à état d'urgence permanent, etc., ben comment se fait-il qu'il a échoué? Comment se fait-il qu'on ne fait jamais le lien entre pourquoi est-ce que la France est attaquée? Et le pire dans tout ça, c'est que l'assassin ou le terroriste qui a assassiné Samuel Paty, il a été signalé. Le ministère de l'Intérieur avait été averti à plusieurs reprises, et la plupart du temps par des musulmans. Or, on s'est servi de la mort de Samuel Paty pour alimenter l'islamophobie d'à côté. C'est les musulmans qui sont responsables. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas les musulmans qui sont responsables. Deuxièmement, minimiser, en tout cas, ne pas dire un mot sur la responsabilité de l'État qui a échoué à protéger la vie de Samuel Paty. Et comme dit à l'instant Aït Moussa Brahim, la mort de Samuel Paty a été utilisée malheureusement comme preuve pour appuyer une politique de répression. Alors, et là, j'ai reçu un commentaire à l'instant sur WhatsApp, pourquoi à chaque attentat en France, c'est 6 millions de musulmans qui sont coupables. Ben oui. Alors, bienvenue à Rabat Messire. Ah oui, Nems94 qui me dit, t'as oublié Kadhafi en tant que financeur politique. C'est vrai. Je m'excuse, j'ai oublié Kadhafi. Et les millions d'euros versés à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui enchaîne les procès en ce moment. Voyons voir les commentaires ailleurs sur les réseaux. Alors, Ratiba Medas qui dit, Ratiba Medas à la butte du café, tout le monde s'indigne, personne ne se bouge réellement à part certaines associations. Ben, c'est ce qui fait c'est un peu le résultat de l'individualisme. Je me sens pas concerné jusqu'à ce que ça m'arrive. Le problème, c'est quand ça t'arrive à toi, monsieur ou madame, tu veux une réponse dans l'urgence, mais pendant des années, t'as rien dit.
Quand c'était les autres, tu n'as rien dit. Et maintenant, c'est à ton tour. Tu t'es pas senti concerné quand c'était les autres. Mais tu as permis à ce système qui ciblait les autres d'exister, de perdurer. Bon, ben, après lui, c'est toi. Toujours dans la même logique qui a été évoquée à l'instant par Ratiba Medas. On a un fameux poème qui a été écrit par le pasteur Niemöller et que j'avais cité déjà dans une manifestation récemment à la mairie d'Ivry. Et cette apathie et cette complaisance face à l'injustice, aux violations des droits et des libertés que chacun peut éprouver parce que bon, c'est lointain, c'est les autres, ben, un jour ou l'autre finit par vous affecter. Et là, je lis. Le poème du pasteur Niemöller, un pasteur protestant. D'abord, ils sont venus parler pour les communistes. J'en commence. D'abord, ils sont venus pour les communistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Puis, ils sont venus pour les socialistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus pour les juifs, et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus pour moi, et il n'y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. Bienvenue à Hypnas et bienvenue à Lucien BM94. Encore une fois, on n'a peut-être pas un passé. Thierry Germain, qui est assez virulent, il eût été bien que les dirigeants musulmans qui ont vaguement aboyé, bon, c'est un terme que je refuse d'employer, qui ont, après la pseudo-liberté d'expression préconisée par Macron, aient pu être un peu plus pugnaces dans leur opposition à l'humiliation dont nous commençons à être victimes. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je comprends la colère. Et elle est parfaitement légitime. Quand des musulmans vous disent on ne se sent pas représenté, écoutez, je vous invite à regarder mes chroniques sur Radio France Maghreb. Bienvenue à KRT Salah. Mes vidéos sur France Maghreb, j'ai fait une série de chroniques que j'ai partagées ici parce que, bon, apparemment, je me suis déjà exprimé et que la relation entre organisation musulmane. Entre organisations musulmanes et les personnes qu'elles disent représenter, et cela s'applique aussi aux catholiques, s'applique aussi aux communautés juives, bah souvent la représentation, elle est prise en otage. Et les personnes voient leurs paroles confisquées par des représentants qui n'ont pas nécessairement des intérêts alignés avec les intérêts des communautés sur le terrain. Et donc, j'ai quand même mettre ici, bon, les chroniques, elles ne sont pas nouvelles. Peut-être pour répondre à Thierry Germain. La mort de 65 000 personnes, donc nécessairement, c'est 60. Je me répète, là, qu'est-ce qui se passe? Où là? Où est Thierry Germain? Thierry Germain, où est-il? Je l'ai. Ah, il est là. Alors, Thierry Germain. Elle est prise. Alors, attendez, je vais juste répondre. Vous m'excuserez, Thierry Germain a posté quelque chose. Alors, oui. Alors, écoutez, Thierry, je vous mets les chroniques ici. Vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr, mais l'objectif, c'est de vous dire que c'est une solution qui n'est pas rapide, qui ne viendra pas du jour au lendemain. Et c'est aussi à celles et ceux qu'on appelle les musulmans de revoir leurs relations avec leurs organisations. Alors, Ratma Medas qui dit ils ont dissous leur collectif 10 novembre. Oui, mais le problème, c'est que bon, le collectif 10 novembre, ce n'était pas des musulmans qui parlaient pour eux-mêmes, c'était la gauche, la France insoumise qui s'est ingérée pour pouvoir avoir une plateforme juste avant les municipales. Bon, bref, je reviens pas là-dessus. Alors, bienvenue à la barre Messire. Maintenant, je vais terminer le live et vous laisser le temps qui reste. Pour débattre ensemble.
c'est qu'encore une fois, ces lives-là vont s'arrêter sur Facebook et ils auront lieu sur une autre plateforme plus sécurisée où nous pourrons participer. Chacun pourra prendre la parole de visu ou seulement en audio. Et le but, c'est qu'encore une fois, ces lives-là soient des lives formateurs. D'accord? Ils seront gratuits. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais nous aurons des objectifs communs. Le but, c'est que au bout d'un an de live, nous ayons atteint une série d'objectifs. D'accord? Le deuxième point, c'est que la préparation pour 2022, elle commence aujourd'hui. 2022, c'est demain. N'oubliez pas que dans quelques mois, les partis politiques vont commencer à investir leurs candidats. Leurs candidats seront investis selon des thématiques. Ces thématiques-là seront imposées par les médias dominants. Quel sera le discours apporté par des gens comme vous et moi dans une élection comme celle-là? Quel poids pouvons-nous avoir sur les élections des députés qui auront lieu en 2022 après la présidentielle? Quel poids pouvons-nous avoir pour peser sur les thématiques de l'élection présidentielle? Tout cela se prépare aujourd'hui. Bien sûr, c'est un plan qui est ambitieux, mais encore une fois, au CJL, nous faisons de notre mieux et ça s'arrête là. Ensuite, c'est une responsabilité collective. D'accord? Alors, je vous laisse l'espace pour débattre si vous avez des commentaires à faire. J'accueille Sanamt99, David T. Graham, bienvenue à lui. Et comme on dit, la plateforme est à vous. Vous pouvez partager vos commentaires, vos réflexions, vos accords et désaccords. Allez-y. Bienvenue à Hussein Bihi. Alors, il y a un commentaire intéressant de Aït Moussa Brahim qui dit, je pense qu'il parle au nom des musulmans, ne sommes-nous concernés que par ce qui concerne nos co-religionnaires. Elle est bien là l'erreur ou la faille. Bon. Je ne vous apprends rien en disant que le CJL n'est pas une organisation musulmane, ce n'est pas une organisation confessionnelle, ce n'est pas une organisation religieuse, ce n'est pas une organisation de représentation des musulmans, c'est une organisation de défense des droits humains et des libertés publiques, composée par beaucoup d'adhérents de confession musulmane, mais qui est une organisation où tout le monde est la bienvenue. Et le bienvenu. Pourquoi? Ben, nous parlons d'islamophobie, aussi bien que nous parlons de négrophobie, de romaphobie, d'antisémitisme, de violence policière, de surveillance de masse. Alors, c'est vrai que l'islamophobie, ben, c'est le premier problème des adhérents du CJL. Mais en même temps, l'islamophobie n'est pas le seul problème en France. Et que l'islamophobie n'est que l'illustration la plus flagrante d'une dérive de la France, en tout cas du gouvernement et de l'État français, vers des politiques d'extrême droite. Une normalisation de la démagogie qui font que ben, les gens ne se font pas élire selon leur capacité à bien faire, mais leur capacité à bien dire. Ce sont deux choses différentes. Alors, Aït Moussa, je ne comprends pas, qui pose la question de quel nous tu parles. Ben, je ne sais pas, vous disiez à l'instant. Ah, peut-être qu'il y a eu un malentendu, je ne sais pas. Alors, allez-y, faites-vous plaisir sur Instagram, je regarde un peu les commentaires. Sur Facebook, on prend encore les 10 minutes. Et si vous n'avez plus rien à dire, bon, en tout cas, on pourra s'arrêter. Donc, on fera encore un live et je vous tiendrai au courant combien on aura encore publiquement sur Facebook, mais encore une fois, il faut que ces lives-là servent à quelque chose. Il faut que lorsque vous veniez au live, certes, vous pouvez ne rien dire et bien sûr regarder et participer de manière silencieuse, mais le but, c'est que nous fixions des objectifs communs qui sont des objectifs de formation
et d'éducation populaire à des fins de mise en capacité d'agir. Ça veut dire que vous-même, vous aurez les outils pour faire valoir vos droits et les faire valoir localement. C'est ça le but, créer de la proximité à partir d'une organisation qui est active au niveau national et international. C'est ça l'objectif. Et encore une fois, bienvenue à BADR Official 1. Voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir de faire ces lives avec vous. Et j'aimerais vraiment pouvoir les continuer, mais de manière beaucoup, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive, et qu'il y ait un retour pour vous lorsque vous venez passer une heure de votre temps ou deux. Alors oui, Ratima Medas qui dit « L'islamophobie est depuis un certain temps le premier problème de France, en tout cas, fait penser que l'islam est un problème et les musulmans aussi. Ce n'est pas que pour la France, l'islamophobie est le problème sociétal de l'Europe au XXIe siècle. Je répète, l'islamophobie est le premier problème sociétal ou le problème sociétal de l'Europe au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que l'islamophobie est de la misogynie, de la violence de l'État, l'autoritarisme de l'État, du manque de transparence de l'État, que des citoyens soient discriminés pour leur religion, leur appartenance religieuse réelle ou supposée et leur faciès. Et que on parle des musulmans pour ne pas parler des problèmes sociaux et économiques du pays. C'est ce que j'appelle l'islamo-diversion. Parce que l'islamophobie est rentable politiquement, n'importe quel clown, excusez-moi du terme, politique, qui n'a aucun programme, qui est incompétent et qui est indigne d'être un représentant du peuple, qu'est-ce qu'il va vous faire pour se faire connaître? Il va faire un buzz islamophobe, comme l'a fait par exemple Julien Odoul, qui met au sein même de son parti est considéré comme un idiot, mais il a réussi un coup médiatique grâce à l'islamophobie. Vous avez des personnes qui sont inconnues de l'opinion publique et qui se font un nom grâce à l'islamophobie et qui font que les élus aujourd'hui ne sont pas actifs pour améliorer le quotidien des personnes qui les ont élus, mais sont actifs pour se faire réélire. Et pour se faire réélire, on adhère au discours qui est en vogue, qui est le discours islamophobe. Et c'est pour ça que ça a été une erreur monumentale, une faille stratégique et une faute morale de faire de l'islamophobie un problème de musulmans. Ce n'est pas vrai. L'islamophobie cible certes les musulmans en premier. Bienvenue à Azamat Kouran. L'islamophobie cible les musulmans en premier. Elle est une menace vitale les concernant. Mais l'islamophobie, encore une fois, permet de ne pas rendre de compte sur les politiques néolibérales. Elle permet à l'État de faire passer des lois ultra sécuritaires pour que l'État continue de faire passer ces politiques ultra libérales. Pourquoi? Parce que le capitalisme a besoin d'autoritarisme. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie avec une économie capitaliste. Parce que si c'est la démocratie, le peuple finira toujours par demander à ce que l'État soit à son service et non pas au service des marchés. Et donc, l'islamophobie est nécessaire pour normaliser un discours d'extrême droite. Alors, on continue. Hussein Bihi qui pose la question, à ton avis, il faut signer la charte des imams? Hussein, vous étiez où la dernière semaine? Caché sous un rocher? Regardez ce que j'en ai dit. Allez sur les réseaux sociaux et voyez ce que j'ai dit. Et vous aurez la réponse. Alors, et la réponse est très simple, absolument pas. La charte des imams est une charte d'abdication, de démission totale que les imams doivent signer pour que les musulmans se défassent de leur liberté religieuse, de leur liberté de conscience, de leur liberté d'expression, qu'ils acceptent que la laïcité soit violée.
Cette charte de la laïcité est anticonstitutionnelle. Point barre. On ne peut pas demander à des représentants religieux que personne n'a élu en premier lieu et qui en plus doivent eux-mêmes accepter de ne pas parler d'islamophobie, de racisme, des conflits à l'étranger, on peut passer par exemple à la Palestine, qui doivent en même temps se soumettre au diktat du politique. Emmanuel Macron, quand il fait cela, viole la laïcité et s'attend à ce que les musulmans abdiquent et oublient leurs droits. Thierry Germain qui continue, nous allons devenir les juifs des années 40. J'espère pas. J'aime pas trop comparer, parce que l'histoire, elle se répète jamais telle qu'elle. Elle fait un écho, mais elle résonne, mais non. Par contre, les mécanismes adoptés pendant les années 40, on les retrouve. La déchéance de nationalité qui a été portée par François Hollande, de gauche, François Hollande et Manuel Valls, c'était une mesure qui avait été appliquée contre les Juifs. La dernière fois qu'on a appliqué la déchéance de nationalité, c'était pour retirer la nationalité aux Juifs. Et je reprends les propos d'Anna Arendt qu'elle avait tenus justement sur la question de la violation des droits et le fait qu'on sent comment est-ce que les Juifs ont été traités avant de finir dans les camps d'extermination. Ce que Anna Arendt, la philosophe, écrivait dans les origines du totalitarisme, ouvrez les guillemets, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une condition de totale privation de droit avait été créée bien avant que le droit à la vie ne soit contesté. Pour les personnes qui veulent la citation, elle est... Où est Thierry Germain? Ah oui, je réponds encore une fois à Thierry Germain. Voici la citation d'Anna Arendt, en gros, qui dit « Avant de contester le droit à la vie, on conteste le droit d'avoir des droits. » Voilà comment ça fonctionne. Alors, on s'approche de la fin. Je vais m'arrêter là avec, bien sûr, votre aimable permission. Donc, on récapitule. D'ailleurs, on n'a même pas pu parler de ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Bon, on pourra en parler dans les lives prochains, j'espère. Donc, premier live de l'année 2020. Donc, bonne année et meilleurs voeux à vous toutes et à vous tous, vos proches, vos familles. D'abord, la santé. Ensuite, le bonheur à titre individuel et à titre familial, à titre collectif. Bien sûr, prospérité, ça va de soi. Mais en même temps, j'espère que ce sera une année de mobilisation et de prise de conscience. Donc le CJL, lui, continue de travailler. On est constamment en train de marteler ce qui est en train de se passer en France. On est blacklisté en France, mais nous avons une caisse de résonance avec les médias étrangers, ce qui nous permet de pouvoir exprimer ce qui se passe à l'étranger et de dépeindre les répressions vécues en France. Les lives qu'on fait aujourd'hui seront petit à petit retirés de Facebook pour avoir lieu sur notre plateforme. Ils deviendront des sessions de formation gratuites, bien entendu, à vous toutes et à vous tous. Bien sûr, il faudra s'inscrire et il y aura un suivi. Le but, c'est vraiment que, voilà, je m'implique vraiment énormément dans ce travail-là. Je le fais encore une fois gratuitement, malgré la répression. Mais en même temps, je vous dois aussi, dans l'heure que vous passez avec moi, de pouvoir repartir avec quelque chose. Donc, les publics, n'oubliez pas d'adhérer au CJL, s'il vous plaît. Merci à Ratiba. Donc, cjl.ong/adhésion. N'oubliez pas merci à vous, Ralia, et bienvenue à Postscriptum 00. N'oubliez pas que j'anime aussi un podcast qui s'appelle Les idées libres en français. Ce podcast-là, c'est encore la même démarche que les lives, mais plus pointu sur l'actualité, les débats d'idées. Soit c'est un podcast que je fais tout seul, soit c'est un podcast où je fais intervenir quelqu'un. Je suis intervenu notamment sur la normalisation entre le Maroc et Israël, le Sahara occidental, les libertés publiques, la Palestine, les droits de l'homme, etc., le Covid-19. Donc, vous pouvez, je vous demande de vous abonner sur
Alors, il y a Ralia qui pose une question, je crois que j'arrive, Ralia. Donc, je vous demande d'adhérer au podcast qui est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de streaming et de le partager. Le but, c'est vraiment de disséminer un maximum d'idées et bien entendu de pouvoir participer à développer un contre-discours face à l'extrême droite qui est au pouvoir aujourd'hui par ses idées. Alors, Ratiba Medas, il était sur Deezer, mais ça n'a pas été mis à jour. Parce que c'est compliqué d'avoir différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donc, même s'il n'est pas sur Deezer, il est gratuitement disponible sur n'importe quelle plateforme de podcast. Et merci à la barre, merci. Donc, s'il vous plaît, je vous demande solennellement de m'envoyer un message privé concernant votre adhésion ou non. Au prochain live qui auront lieu à l'extérieur de Facebook. Et si vous voulez participer à ces lives qui deviendront des sessions de formation et d'éducation populaire. Voilà. Écoutez, alors j'ai Ralia Nawa qui me dit, on attend la campagne d'info pour le CJL. Je ne sais pas la campagne, de quelle campagne d'info vous parlez, mais il y a une newsletter qui part régulièrement. Encore une fois, si c'est pour ces lives-là, oui, on informera nos adhérents et le public en général que nous basculerons sur une plateforme restreinte. D'accord? Le but, ce n'est pas de faire de la quantité, mais faire de la qualité. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas qu'une vidéo fasse 10 000, 20 000, 100 000 vues. C'est pas pour que politiquement, il y ait un résultat. Du buzz, on en a déjà fait. Mais politiquement, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné rien du tout. Et la situation, depuis que les réseaux sociaux existent, ne fait que s'empirer. Il faut donc se poser la question, quel usage faisons-nous des réseaux sociaux? Et si on n'est pas en train de perdre notre temps et de vivre à côté des vies qu'on pourrait avoir? Ça sera tout pour ce soir. Ah, Ralia Nawa qui dit, vos podcasts sont excellents, je les recommande. Je vous l'avais dit. Alors, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, de vos proches, pensez à porter un masque, distanciation sociale, restez informés, restez vigilants, personne ne défendra vos droits si vous démissionnez, absolument personne, et personne ne mènera vos combats à part vous-même, et vous pouvez compter sur moi, LCJL, pour vous y aider. Je vous dis excellente soirée, passez une bonne fin de semaine, à la semaine prochaine, pensez à m'écrire sur... oui, Ralia, ça se fera aussi. Pensez, s'il vous plaît, à m'envoyer un message pour vous inscrire. Et d'ici là, le combat continue.